Ces derniers jours, il a fait plus de 40 degrés à l'ombre. La dernière nuit s'est terminée très tard, comme toujours en cette saison, et la médina aux 9400 ruelles s'est endormie il y a seulement 2 heures. Mais pour la tannerie de Chouara, la journée commence très tôt, le plus tôt possible, car les odeurs deviendront insupportables avec la montée de la chaleur, contraignant les ouvriers à arrêter vers 13 heures. Alors, il vaut mieux commencer par extraire toutes les peaux qui ont été trempées pendant quelques jours dans ces fosses grisâtres, contenant de la fiente de pigeons sauvages et de l'ammoniac. Ce mélange permettant d'assouplir le cuir, responsable de cette puanteur féroce. On trouve des peaux de moutons, de vachettes et de chèvres, ainsi que des peaux de dromadaires. Les peaux sont plongées dans des cuves remplies d'eau, chargées de chaux éteintes, puis de chaux vives, afin de décoller les poils plus facilement, et qui leur donnent accessoirement cette couleur verdâtre. Le patron tanneur doit surveiller de très près la durée de ses bains, surtout en été. Il lui faudra même quelquefois se lever en pleine nuit pour aller retirer des peaux des bassins. Celles qui auraient été négligées se troueraient rapidement et seraient invendables. Ce traitement fait gonfler la peau et permet d'enlever les surplus d'épaisseur afin de rendre les peaux les plus fines possibles. Les poils, ainsi séparés de leur peau, seront quant à eux revendus pour faire des tentes berbères ou des tapis. Compte tenu des risques liés à exposition à la chaux, à l'ammoniac et à l'urine d'animaux, on nous a indiqué qu'il y avait sur place une visite médicale mensuelle. Les tanneries sont toujours aux environs immédiats de sources d'eau, et il est primordial que l'écoulement d'eau soit constant et d'utilisation facile. L'eau approvisionne les divers bassins dans lesquels les tanneurs trempent les peaux au cours de leur préparation. Elle permet les lavages successifs des peaux et enfin assure le déversement des résidus qui en proviennent. Les peaux devenues parfaitement nettes passent au lavage pour être progressivement purgées de la chaux qui les a imprégnées au cours des bains précédents. Le lavage moderne, où les peaux sont plongées dans une machine à laver électrique qui les brasse pendant un certain temps, ou bien le lavage traditionnel, où les tanneurs étalent et nettoient les peaux dans des petits bassins d'eau. Ils plongent parfois leurs pieds et foulent les peaux en cadence comme des coureurs impatients. Les peaux ainsi lavées sont transportées vers des terrasses pour sécher au soleil. La peau issue de chaque animal subit un traitement un peu différent. Celles qui sont accrochées au mur sont des peaux de vachette. Elles ont été tannées avec de l'écorce de mimosa pendant 20 jours. Après séchage des peaux, les ouvriers procèdent à la teinture. Les tanneurs versent la peinture par petits jets sur la peau et l'étendent sur toute la surface en frottant de la main pour la faire pénétrer. On prépare les terrasses en les recouvrant de paille, sur laquelle les peaux qui seront teintées seront déposées à plat. Le soleil fera le reste pour fixer la teinture. L'opération de teinture doit se faire soigneusement et attentivement pour ne laisser échapper aucune partie. Elle dure de 2 à 3 heures. Les tanneurs travaillent dans ces fosses remplies de couleurs variées, obtenues à partir de produits végétaux naturels. L'indigo pour le bleu, le coquelicot ou l'écorce de grenade pour le rouge, le safran ou le curcuma pour le jaune, le tanin ou la cannelle pour le marron, le henné pour le orange, et enfin le bouton de rose pour le rose.
après quoi les peaux sont transférées chez les épileurs. La tonte est effectuée en général dans des locaux spéciaux disposés autour de l'aire centrale. À l'aide d'un simple couteau ou d'une lame de fer convexe, avec la peau tendue sur une perche appuyée contre un mur, ils arrachent les derniers poils de la toison. Le lissage se fait côté chair, puis le tanneur pratique le grainage côté fleur sur un petit dôme en terre cuite, décoré à coups de noyaux d'olive. La peau ainsi tannée, rendue à la fois souple et résistante, peut être livrée à la vente. Sur ces dos d'âne, ces peaux rouges encore humides vont être transportées hors de la ville pour être séchées sur les collines environnantes, pendant que ces peaux marron sèches seront vendues à la criée aux artisans du cuir de la Médina pour la fabrication d'accessoires de petites maroquineries. Le travail du cuir est un métier excessivement rude et incommodant. Il est généralement pratiqué par les membres d'une même famille résidant sur les lieux du traitement des peaux. La laine et les poils sont quant à eux regroupés dans des sacs et sont acheminés vers les souks environnants où ils seront revendus pour faire des tapis. Il vous envoie tout à fait en face, il y a 250 maisons qui font les articles. On part de l'époque à 4 ou 5. Et on fabrique les articles, ça veut dire les poufs, sacs de voyage, les babouches, les sacs à main, les tapis en même temps. Et puis on exporte ici. On exporte en gros et en détail en tous les pays du monde entier. Le pouf parachute, ça c'est la chèvre, ça c'est le chameau. Et chaque dessin représente des monuments historiques. Soit le plafond, soit la porte, soit la céramique. Alors celui-ci représente exactement le plafond de la mosquée La Koutoubia. Ça c'est chameau. Et vous avez les poufs, la chèvre. La chèvre, c'est le dos de la chèvre. C'est pour ça que je vous dis la qualité, c'est le dos. Ça c'est la chèvre avec des couleurs naturelles de safran. Ça, safran, c'est la couleur de Fatima.